standards confondus, est une société qui a décollé, qui a avancé sur le plan des idées, sur le plan de l'engagement au profit de l'homme. L'homme pour lequel l'engagement a un sens plein et irréversible. Je suis honoré, je m'en félicite et je remercie toutes les organisations qui ont été attentives, toutes les associations qui ont été attentives à la cause que je défends, une cause qui est méconnue, mais qui est la cause de tous les Africains, qui est la cause particulièrement des Sahariens que nous sommes, des gens du Sahel-Sahara que nous sommes, une cause qui est la cause de l'humanité tout entière. Cette cause, c'est la cause de la dignité humaine. Cette cause, c'est la cause de la dignité de la personne d'ascendance africaine. Il est malheureusement un fait concret, avéré, que le fait d'être noir, de race noire, un être humain de race noire, ce fait, malheureusement, nous attire des ennemis, nous attire des brimades, des stigmatisations, nous attire l'oppression. Ceci est une vérité historique. Les pressions internationales et surtout les pressions des sociétés civiles du monde, comme la société civile malienne, les communiqués de presse de cette société civile qui vont être concrétisés par des actions de cette société civile dans tous les forums internationaux, notamment la session d'octobre prochain de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui va se tenir à Banjul, où on va inviter toutes les sociétés civiles africaines de venir à Banjul pour obtenir des résolutions de cette commission continentale africaine contre la Mauritanie. Car le seul rempart de soutien qui reste à la Mauritanie, sur le plan international, c'est la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et l'Union africaine. Car la Mauritanie a trois appuis. Les militaires au pouvoir à Mauritanie ont trois appuis principaux. L'appui économique, qui leur vient de leur principal allié économique, c'est l'Union européenne. L'appui militaire, qui leur vient de leur principal allié militaire, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et l'appui diplomatique, qui leur vient de leur principal allié diplomatique, c'est l'Union africaine. Concernant l'appui économique et militaire, nous sommes déjà avancés. On a pu mettre le gouvernement mauritanien sur le banc des accusés parce que l'Union européenne a condamné le gouvernement mauritanien, à exiger la libération de nos amis, à considérer que leur arrestation est une manière d'empêcher leur activisme légal, non violent, qu'il soit civil ou politique. Les États-Unis d'Amérique ont fait de même, la même condamnation, mais c'est l'Afrique qui traîne les pieds et à travers les sociétés civiles africaines, on arrivera à amener l'Afrique à prendre la position. Je vais citer leur nom. Il y a Amadou Tijani Diop, qui est vice-président de l'ERA. Il y a Balla Touré, qui est chargé des relations extérieures de l'ERA Mauritanie, membre du bureau exécutif, comme Amadou Tijani d'ailleurs. Il y a Hamadi Lehbous, chargé de la communication de l'ERA,
membre du bureau exécutif. Il y a Ahmed Hammarval, trésorier de l'Iran Mauritanie, membre du bureau exécutif. Il y a Ousmane Lo, membre du bureau exécutif de l'Iran. Il y a Mohamed Dati, il est le coordinateur adjoint de l'Iran pour la ville de Mamchat. Il y a Ousmane Al, c'est le coordinateur de la section Iran de Tevrak Zeyna, quartier de Mamchat, arrondissement de Mamchat. Il y a Abdallah Sek, il est le coordinateur du bureau de SEPRA pour Ira, à Nouakchott. Il y a Moussa Bira, c'est l'adjoint de Abdallah Sek, comme coordinateur adjoint de SEPRA, à Nouakchott. Il y a Khatri Oul Rahet, c'est le président du comité de la paix de Ira. Le comité de la paix, c'est des centaines de jeunes que vous voyez toujours dans les réseaux sociaux, habillés en pantalon noir, chemise blanche et cravate noire. Ce sont des jeunes du comité de la paix. Le comité de la paix a été créé lorsqu'il y a eu deux tentatives d'assassinat contre moi. Et un comité de jeunes qui s'est nommé comité de la paix, qui m'entoure toujours quand je suis à Nouakchott, mais qui ne porte jamais des armes. Ne porte jamais des armes parce que l'Irak est tombé de son environnement, mais qui essayent de me défendre par leur corps, mais ne me défendent pas contre les forces de l'ordre. Quand il y a les forces de l'ordre qui viennent, c'est la consigne. Moi, je me rends aux forces de l'ordre, sans résistance, il n'y a pas besoin de résister. C'est la démarche de l'Irak. Mais quand il y a d'autres lobbies mafieux, tribalistes, esclavagistes, ceux qui ont tenté de m'assassiner, à ces gens-là, les gens de l'Ira s'interposent. Et ne s'interposent pas par les armes. Mais ils les affrontent pour les désarmer. Ils l'ont fait ça deux ou trois fois. Et ils amènent l'arme et l'agresseur ou les armes et les agresseurs à la police. Sans les violenter. Ils les maîtrisent, sans violence, ils les remettent aux autorités. Mais toujours quand on remet aux autorités ces gens qui ont attenté, les autorités n'ont fait aucune enquête et les libèrent. Bon, Khatri, il est le président du comité de l'enquête. Il y a aussi Jemal Oul Bleyi, qui est le vice-président de l'Irak, du bureau de l'Irak de Riyad. Quartier de Mamchat. Il y a Mohamed Oulja, c'est un membre du bureau exécutif de l'Irak. Est-ce que ce sont 13 maintenant? Oui, c'est ça les gens. Mais je voudrais vous signaler qu'il y a d'autres prisonniers d'opinion, d'autres prisonniers politiques qui ne sont pas les gens de l'Irak, qui sont de la jeunesse du 25 février et de la jeunesse de l'organisation Mani Sharif Ghazwa, deux organisations de jeunesse arabo-berbère qui militent aussi pour les droits de l'homme, qui ont été aussi embastillés, condamnés lourdement. Donc je suis un simple membre à la base, la cellule du Coran. C'est au nom de tout ça que je suis là. Donc en tant qu'Ali Diallo, Ali Non Diallo, soutenir tous ceux qui luttent contre l'oppression, contre la domination, contre l'exploitation. Et quelque chose que ma génération a entrepris
ans, 15 ans, 16 ans. Donc nous devons continuer jusqu'à permettre aux réfugiés de venir. Merci. Dans la circonscription de Bankas Région Mopti, je suis le président de la Commission de développement rural et environnement de l'Assemblée nationale, ancien président de la Commission des lois et président du réseau des parlementaires maliens pour la défense des droits de l'homme. C'est pour cette dernière raison que je suis là. J'ai eu connaissance de la conférence d'aujourd'hui par le canal de M. Cissé, que je ne connais même pas de vue. Voilà, c'est pas si dans la salle. Ok, merci bien. Donc, j'ai tenu à être là pour exprimer ma solidarité à l'action que M. Grimm vient de tenir. Parce que laisser la Mauritanie et sillonner le monde pour cette cause, ça veut dire qu'il n'est pas en train de défendre seulement la cause des Noirs mauritaniens, mais la cause de tous les Noirs. Je le remercie. Je lui exprime tout mon soutien. Je vois ici le président de Temet, qui, lorsque j'étais à la commission de loi, était passé me rencontrer par rapport à un projet de loi sur l'abolition de l'esclavage. Bien que jusqu'à un sommet de l'État, on s'évertue à ne pas reconnaître qu'il y a l'esclavage au Mali. L'entretien que j'ai eu ce jour avec les représentants du Temet m'a convaincu de l'existence de ce phénomène. Pour dire qu'il y a encore besoin d'informer, de sensibiliser et au plus haut niveau. Moi-même, je faisais partie certainement de ceux-là, car placé au sommet de l'État, qui n'était pas conscient du phénomène. Et à l'époque, j'avais dit au représentant du Tibet, si jamais le gouvernement traînait les pieds avec ce projet de loi, qui vient me voir, j'étais prêt à faire une proposition de loi dans ce sens. En tout temps, j'ai quitté la tête de cette commission. Et je peux dire que l'une des raisons qui m'ont fait quitter cette commission, mon action de défense des droits de l'homme fait partie. Parce que les droits de l'homme, ce n'est pas lié à cela seulement, c'est être révolté contre toutes d'injustice. C'est cela que je faisais lorsque j'occupais cette fonction. Et ça ne plaisait pas à tout le monde. Oui, c'est ça. Tout le projet de loi qui venait, je cherchais à voir ce qu'il y a dedans. Je ne laissais passer aucune virgule qui pouvait, en tout cas, nuire au peuple. Et c'est ça que certains ne voulaient pas. Et lors de mon passage à la commission de loi, j'ai tenu à mettre dans l'appellation de la commission, j'ai tenu à ajouter l'expression droit de l'homme. Aujourd'hui, la commission des lois de l'Assemblée s'intitule Commission des lois constitutionnelles, de la législation, de la justice, des droits de l'homme et des institutions de la République. C'est moi qui ai proposé l'intégration de l'expression droit de l'homme et ça a été adopté en juillet. Pour vous dire mon engagement en faveur de la défense des droits de l'homme. Et je voudrais dire aux conférenciers voir comment est-ce que nous, en tant que parlementaires organisés en réseau de défense des droits de l'homme, ce que nous pouvons faire. Je sais que les Noirs sont marginalisés en Mauritanie, mais je suppose qu'ils sont représentés à l'Assemblée nationale. Voir si nous pouvons, de par notre statut, faire quelque chose ensemble. Voir avec votre organisation ce que nous pouvons faire ensemble. Moi, je me nomme Mouaz Cissé, connu sous le nom du prédicateur, même si le mot prédicateur n'est pas la bienvenue dans ce monde. Un bon prédicateur, ça sous-entend beaucoup de choses péjoratives, alors que prédicateur, c'est autre chose. Eh bien, j'ai une seule question à poser à mon frère.
Hiram, qu'est-ce que l'homme dit? Quelle est la place de l'intellectuel? Quand je dis intellectuel, je parle de l'homme versé dans la jurisprudence, la charia musulmane. Je parle de ça en Mauritanie. Qu'est-ce que ces ulti? Qu'est-ce que ces leaders religieux? Qu'est-ce que ces fuqaha en Mauritanie ont fait dans cette lutte qui est noble? Ah, c'est la seule question que j'ai à lui poser. Entre lui et mon frère Adakadou, il y a un point commun. Le point commun, c'est de ne pas avoir peur de la chose, d'appeler le chat par son nom. Il a utilisé le mot esclave. Adakadou a utilisé le mot bella. Ces deux mots, avec leur colère de sens péjoratif, qu'on donne, ça sous-entend beaucoup de choses. Moi, je suis soleil de l'interview dans le cercle de Gundam et je ne donne pas tout. Votre arrivée au Mali ici a été un succès. Et la visite que vous avez eue à nous rendre au niveau du réseau du Bonimaya, dont le coordinateur de la Fondation nationale fait certains avec vous ici, et dans tous les comités de l'école se trouve également dans cette salle, montre la suffisance que une heure de temps, les 60 minutes que vous avez passé avec nous, ça nous a convaincus. Et que nous serons désormais au niveau de la veille stratégique et citoyenne à ce qui s'est passé dans notre pays. Il faut qu'on prenne votre combat, de ne pas avoir peur ni de la prison, ni d'être tué, et dire non à cet esclavage économique. Donc, c'est la plus grande leçon. Et on vous remercie très sincèrement. Soyez rassurés qu'au moins la coordination nationale de veille stratégique et citoyenne du réseau du Bonimaya serait votre point focal au niveau du Mali. Et que désormais, nous allons nous assurer que nous suivons de façon régulière ce qui se passe et que nous allons faire ce qu'il faut faire pour que la pression soit là. S'il faut aller avant nous, nous sommes prêts à aller avant nous. Donc c'est tout juste ce que nous disons au nom de la coordination nationale de veille stratégique et citoyenne. Et au nom de tous ces gens-là qui sont venus ce matin ici, et je suis persuadé, c'est parce que tout le monde ne peut pas prendre la parole, mais ils ont les mêmes sentiments que le combat que vous menez, nous le partageons. Et désormais, nous allons nous assurer que nous sortons de cet esclavage économique, de cet esclavage social, et que ça ne peut pas continuer, que les Africains continuent à rendre esclaves d'autres Africains. Merci.